Alors que les spéculateurs sur le foncier ou sur l'immobilier paient au maximum 15%. Est-ce que je me trompe? Certains plus-values, c'est la possession, c'est la durée de la possession. Les spéculateurs aussi, qui sont appelés investisseurs, sont sur certaines plus-values de capital, sont carrément exonérés. Tant que le capital n'est pas imposé d'une manière juste, je ne dirais pas égalitaire, par rapport au travail, la fiscalité demeurera injuste. Regardez le cas des transmissions d'entreprises. Certaines transmissions d'entreprises, et là nous sommes en train de parler de dizaines, de vingtaines de milliards de dinars. Certaines transmissions d'entreprises sont exonérées complètement d'impôts. Regardez les droits de succession. Nous sommes également en train de parler de patrimoine de dizaines et de centaines de milliards qui sont exonérés totalement d'impôts, alors que le principe est que tout transfert de propriété, qui est l'aliénation, elle est soumise à l'impôt. Alors que les successions et les transmissions d'entreprises, je comprends que cela a été fait dans un contexte particulier. Il n'a pas été fait pour vous, messieurs les dirigeants d'entreprise, mais il a été fait pour une catégorie bien déterminée de dirigeants d'entreprise qui servait un certain régime. Donc, tant que nous sommes là, il n'y aura pas d'équité fiscale. Deuxièmement, deuxième conclusion majeure, c'est que tant qu'il y a une disparité de régimes fiscaux, on ne pourra pas parler de l'équité fiscale. Et je vise là le régime intérieur et le régime exportateur. Les deux secteurs bénéficient des mêmes prestations de l'État. L'un ne paie pas d'impôt, l'autre paie le plein tarif. Et là aussi, il y a un véritable problème. Nous autres Tunisiens, nous avons commencé avec l'imposition à 10% du régime exportateur. Je pose la question, est-ce suffisant? Troisièmement, la conclusion sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est la complexité des textes. Chaque année, la loi de finances nous apporte une panoplie certains les appellent amélioration, certains appellent refonte, certains, il n'y a pas de vision claire, et nous avons été jusqu'à présent dans le bricolage fiscal en attendant, une refonte fiscale qui tient compte de tous ces aspects-là. Techniquement, je voudrais parler d'un problème, et là, monsieur, vous avez absolument raison concernant la TVA. Je trouve aberrant le régime de la TVA, au moins sur trois aspects. J'ai parlé d'un aspect tout à l'heure, de la rupture de la déductibilité, parce qu'il y a des exonérations, soit parce qu'il y a des activités non soumises, ou bien parce qu'il y a des exonérations spécifiques. Mais je parle du fait générateur de la TVA. Vous payez la TVA parce que vous avez facturé. En fait, le fait générateur, c'est la livraison, quand il s'agit de marchandises, de consommation de services, quand il s'agit de services. Alors, vous payez la TVA sur un revenu que vous n'avez pas encore encaissé. Dans les pays qui se respectent, le fait générateur, c'est l'encaissement. Alors, non seulement vous payez la TVA sur un revenu que vous n'avez pas encaissé, mais quand votre client ne vous paie pas, vous n'avez pas le droit de déduire la TVA que vous avez payée. Et je trouve que c'est aussi injuste, bien sûr, tout en prenant en compte le pourcentage de déduction. L'avance sur la TVA, que l'État a appelé encouragement à la collecte des impôts, pose problème. J'ai tout à l'heure parlé de la retenue à la source sur les produits importés. J'ai probablement oublié de parler de l'avance sur la TVA, qui, j'en conviens. Oui, l'avance sur l'impôt au titre des produits importés, 10%. L'avance sur la TVA, comme vous l'avez dit, sur le marché, elle est de 50% sur la TVA, plus les 1,5% sur la retenue à la source, désormais à partir de 1000 dinars. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour alléger et simplifier au maximum, mais aussi de prendre en compte la valeur que je considère importante en matière de fiscalité, c'est la citoyenneté responsable, de manière à ce que tout citoyen responsable s'acquitte
convenablement de savoir de ces obligations fiscales.